Le médecin laxiste. Je vous écoute. Docteur, j'ai des reflux gastriques, des douleurs abdominales et une fatigue inexpliquée. Vous êtes un peu stressé en ce moment ou pas? Non, pas plus que d'habitude. Alors, je vous prescris des antibiotiques, ça devrait vous soulager. Tenez. Quelques semaines plus tard. Bonjour docteur, mes symptômes persistent toujours, cela m'empêche de dormir la nuit. Avez-vous pris les antibiotiques que je vous ai prescrits la dernière fois? Oui, justement, je n'ai pas vu d'amélioration, je souffre. Vous faites quoi? Je vous prescris de nouveaux antibiotiques, ça devrait vous soulager. En tout cas, rien de méchant, j'ai déjà eu ça personnellement. Revoyez simplement votre alimentation. Tenez. Dans cette vie, il faut savoir être proactif. On ne va jamais venir te prendre par la main pour faire les choses, alors mieux vaut masse d'acquiser que guérir. Get ça. Docteur, prescrivez-moi des examens complémentaires, je souffre énormément. Quoi? Une endoscopie? Une coloscopie? C'est insignifiant pour votre âge. Et puis ce sont des examens qui coûtent cher, ça va faire que creuser le trou de la sécu. Prenez ces médicaments et tout ira mieux. Tenez. Docteur, certes, vous n'êtes tenu que d'une obligation de moyens à mon égard, mais d'après l'article R4127-33 du Code de la Santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic en y consacrant le temps nécessaire et en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les plus adaptées. Hein ? Ça serait dommage de faire une erreur de diagnostic et devoir potentiellement indemniser le préjudice subi par le patient. C'est bon, vous avez raison, je vous prescris une endoscopie. Mais comment vous savez tout ça, vous ? Tenez, je suis abonné à ma stack.